Zack, c'est moi. J'aurais aimé te parler, mais... Je suis désolée. Je suis désolée pour tout. J'aimerais juste pouvoir parler à quelqu'un. Tout... Tout s'écroule ici. J'arrive pas à croire ce qui se passe. C'est étrange. Ces petites choses. C'est elle ? Nicole ? Ouais. Ça faisait des semaines que j'avais pas de nouvelles. Eh ben, t'es toujours en train de faire tourner ce truc en boucle. Elle doit vraiment te manquer. Une mission sur l'Ishimura, ça ne se refuse pas. Mais 6 mois sans se voir à se parler que par vidéo, c'est dur. On peut facilement dire une bêtise. Je te blâme pas. Moi-même, j'écouterai ma petite amie plutôt qu'Amond et ses protocoles de sécurité. Un homme averti en vaut deux, Daniels. C'est ce que vous dites continuellement. Et voilà, sans encombre. Imaginez-vous 6 mois en tête à tête avec ce caillou. Pour un mineur indépendant, c'est le paradis. J7 est l'une des plus grandes découvertes de la CEC. L'équipe de prospection a touché le jackpot. Bon, où est-ce qu'elle est? Le voilà. Contact visuel avec l'USG Ishimura confirmé. Quelle merveille. Le plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Pourquoi le vaisseau est si sombre? On devrait pouvoir voir ses lumières. Ouais. Je vais nous mettre à portée. On doit être attendu. Mais soyez prudents à l'approche. Je veux pas qu'on prenne de risques avec la plus grande fierté de la CEC. Aucun risque, hein. C'est pour ça que vous fouillez dans mes dossiers perso avant de partir. Vous surveillez les accès à vos fichiers? Je suis analyste informatique, ça fait partie de mon travail. Rien d'autre que des contrôles de routine de la CEC, Daniels. Si vous voulez jouer dans les hautes sphères, il faut connaître les règles. Monsieur, on est à portée d'appel. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellion envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Ishimura, vous nous recevez? Répondez. Ici USG Kellion. T'as déjà entendu parler d'une panne de communication sur ce genre d'engin? Non, jamais. Allez, que quelqu'un décroche, bordel. C'est quoi ça? Leur antenne de communication à l'RHS. Peut-être un problème d'encodeur. Daniel, c'est moi, pouvons nous en occuper en 48 heures max. Eh, comme ça tu pourras rattraper le temps perdu avec Nicole? Ouais, j'espère. Jen, Johnston, approchez-nous. Attache gravitationnelle activée. Atterrissage automatique. Ça vient. Je perds le contrôle. Merde! On est hors trajectoire! La tête! Le forçage du système de pilotage ne répond pas. Merde! On arrive trop vite! On va s'écraser sur la coque! Chef! Stabilisateur d'urgence! La lumière bleue, là! Ça nous ralentira peut-être! Campé! Laissez tomber les boucliers! On s'accroche! Bien. Ça va. Je vais survivre. Hey, Johnston, ça va? C'est ma cheville. Je crois qu'elle est cassée. Merde. Mais mieux vaut ça qu'une nuque brisée, ou pire. Bonne idée, le stabilisateur, Isaac. Heureusement que je lis toujours le manuel. Bordel, il se passe quoi avec la salle de contrôle? Ce système de pilotage va nous tuer. Un truc à ajouter à ta liste de réparation. Jen, quels sont les dégâts? Les communications sont mortes, on a perdu le propulseur. On a un stabilisateur en feu. Le réacteur est foutu. Ça pourrait être pire, mais pas de beaucoup. Allons chercher de l'aide. Johnston, restez sur le Kellion. On va envoyer un médecin. Les autres, avec moi. Bien écrasé.
moins on n'a pas arraché le panneau. Autant se connecter. Récupérez les modules de télékinésie et de stase auprès de l'ingénieur en chef Jacob Temple. Localisation. Erreur. Employé non trouvé. J'arrive pas à joindre la sécurité. Pareil pour l'ingénieur en chef. Qu'est-ce qui cloche avec leur communication? Celui-là était pressé de partir. Où est l'équipe de sécurité? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Rien d'enregistré. Aucun tableau de service et pas de courant dans l'ascenseur. Pour l'amour de Dieu. Cette console fonctionne toujours. Isaac, évaluez les dégâts. J'ai pas envie de jouer. Quelque chose par terre. Est-ce que c'est... Zach, je veux ce rapport de dégâts. Oh bordel, cette odeur! Qu'est-ce que vous avez, Isaac? Merde! Il n'y a pas que les communications et le système de pilotage. La moitié de l'Ishimura est HS. Les moteurs, la coque, les trames. Qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts à un brise-surface? Ok, j'ai trouvé du courant. La ventilation fonctionne, l'ascenseur devrait pas tarder. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Encore un problème? Non, les systèmes de quarantaine sont tous en état. Attendez, vous avez entendu? Ouais. Ouais, je l'entends. Amand! Que tout le monde se calme. Daniels, réactivez ces ascenseurs. Il n'y a pas que nous ici. Oh mon Dieu! Oh,
distance de sécurité retrouvée. Il est pas mort. On lui a tiré une balle en pleine tête et il est pas mort, cet enfoiré. Smith a dû lui décommer les bras et les jambes. Par pitié, envoyez de l'aide. Ceux que j'ai vus. Certains portaient des uniformes de l'Ishimura. C'est l'équipage, ça? Franchement, comment ça peut être l'équipage? Tu les as regardés? Il faut qu'on aille sur le pont. Il y a plus de 1000 personnes à bord, il y aura forcément quelqu'un. C'est pas possible. Le système de tram est en miettes. Et tout est verrouillé à cause de la quarantaine. Vous êtes tous les deux des techniciens. Alors comment on fait? Il y a un wagon de tram en panne qui bouche le tunnel. Ça a bloqué le système. Et un des disques durs a cramé. Je ne peux ni désactiver le verrouillage ni appeler le tram tant que j'en ai pas un autre de la maintenance. Le problème, c'est que tout est du côté d'Isaac. Je m'en occupe. Assure-toi que les systèmes de réparation sont alimentés. Et Isaac? Oui? Je suis sûr que Nicole va bien. Elle est médecin, c'est ça? Elle fera ce qu'il faut. Ouais. Ouais, comme d'habitude. Mettez-vous à l'abri. Je reviens bientôt. N'emmerdez pas à leur tirer dans la tête, ça les ralentit même pas. Bon. Le seul moyen, c'est de leur arracher les bras et les jambes. Mais ça les tue, ou est-ce que ça les empêche juste de bouger? Yeah.
Yeah.